great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. C'est le matin. Oh, c'est l'heure d'aller prendre le petit déjeuner avec papa Loïs. J'ai déjà... Comment on dit ? J'ai déjà pris rien du tout. J'ai déjà pensé à monter mon vlog. Il est 10h. 9h30, j'ai commencé, je crois. Je sais pas. Et là, je descends pour prendre le petit déj avec papa Loïs parce qu'il m'engueule depuis tout à l'heure parce que je suis en train de bosser et que je suis pas descendue. Voilà. Voilà, voilà. Regardez-moi cette vie, comme on est bien là. On est trop bien. Jamais je souris le matin, c'est trop dur. Faut que je me force à sourire. C'est hyper agréable, c'est bon pour le moral de sourire. Regardez-moi cet animal de compétition. Frais, dispo, souriant, aux aguets. Vous avez demandé la police ? Veuillez ne pas chuter. Chérie, t'as fait les courses ? Ouais. Qu'est-ce que t'as acheté ? Alors, des éponges, des épingles, des pinces à linge, du nettoyant pour le linge et des petits gâteaux pour bébé Ellie. Oui, merci. Ça va ? Ça va mieux ? Attends, c'est plutôt facile. Pas sûr. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux, bébé ? Tu veux ? Mon gâteau. Veux tes gâteaux, des mini Oreo ? Bah oui, ça on connaît, on en a acheté. Hein. On a déjà acheté, hein. T'aimes ça. Hein. Bonjour mamie. Bonjour. C'est pour qui ça ? C'est tout moi. C'est tout petit. C'est tout petit. Comme ça tu peux croquer dedans. Vas-y, croque. Croque. Et moi, je mange du pan con tomate et queso ce matin, mon café au lait. Papa Loïs s'est déjà pris un café solo et du pain avec du beurre. Voilà. Comment t'as fait pour commander ? T'as regardé la traduction sur Google ? Comment on dit du pain, du pain avec du beurre ? Manche mani ? Mantequilla. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve sur la plage. Ça a été un peu compliqué le démarrage. Tu viens t'allonger avec maman, chérie ? Viens à côté de maman. Alors, en fait, pendant que Loïs faisait son live, je suis montée pour ranger les affaires dans le salon, dans l'appart. Et Yora, elle avait fait quoi ? Elle avait fait caca dans le maillot de bain. C'est pas bien. Du coup, en nettoyant tout ça, je me suis rendu compte qu'elle avait une plaque rouge sur le flanc gauche. Non, droit, sur le flanc droit. Il y a des trous dans les oreilles, pourquoi ? Ah oui, il y a plein de trous dans les oreilles de maman. Qui a fait ? C'est maman qui a demandé à une dame. À une dame ? Ouais. Et donc du coup, je lui ai donné une douche pour la nettoyer, voir un petit peu ce qui se passait. Je pense qu'elle fait une réaction au spray anti-moustique que je lui avais jamais mis. Je crois que je lui en avais jamais mis, je suis pas sûre que je lui en avais mis. Du coup, hop, une douche, on a tout nettoyé. On a sorti le maillot de bain anti-UV. Là, on vient de se mouiller et surtout, cette demoiselle est très fatiguée parce qu'elle dort pas assez en ce moment. Donc, on va essayer de faire un temps calme là sur la plage toutes les deux. Bien. Et on a juste été se mouiller parce qu'il fait très chaud. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ? Pourquoi tu râles ? Voilà, donc du coup, après on ira se baigner, après ça en calme. Voilà. Tu fais des bisous ? Bisous. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted.
I'm wide open for a love affair. Girl, when you looking like that, close up, close up, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Dans sa petite piscine. Oh là là. Là tu fais des cochonneries. Tu te mouilles. Ouais, se mouille. Tu veux qu'on aille nager, chérie? Elle est bonne. Tu veux qu'on aille nager dans l'eau, chérie? On y va? Là, là, il y a mes parents, mes grands-parents et ma fille qui mangent. Nous avec Papa Loïs ce midi on va faire sandwich, donc on va aller chercher des sandwichs. Et surtout en fait on fait une petite pause parce que je me sens pas très bien aujourd'hui, donc Loïs reste avec moi. On va juste aller chercher des sandwichs pour manger tranquillou à l'appart. Je vais aller essuyer mes tongs qui sont pleines de sable avant d'en foutre partout dans l'appart. Je vais les rincer dans la baignoire. Hop, mes tongs à 6,50€ que je me suis acheté hier. Donc on a dit qu'on faisait mollo. Donc on se dit qu'on va y aller doucement pour que je puisse me reposer un petit peu parce qu'en fait j'ai pas trop dormi. J'ai pas trop dormi depuis 3 semaines. Depuis qu'on est en vacances, j'ai pas beaucoup dormi. Je me réveille toutes les nuits. Hop. Je sais pas pourquoi. Je suis comme ça. Je suis de nature un peu angoissée, quoi qu'il. Papa Loïs, lui, il est vraiment détente là en ce moment. Hein. Ibiza, ça lui fait du bien. Ça, chérie? Qu'est-ce que tu fais? Je me détends. Tu te détends? Bon, on va chercher à manger? 3 minutes. Comment ça, 3 minutes? 3 minutes. Ça fait une demi-heure que tu me dis 3 minutes. Non, 3 minutes. L'appel de la fin était plus fort que le mahjong. Ça y est, j'ai réussi à faire sortir Loïs de l'appart. Yes. Bon appétit. Bon appétit. La nana qui a rien compris. Je crois qu'on est un peu trop à l'arrache aujourd'hui. Il faut se reposer un peu là, maman. Je vais aller faire la sieste pour manger. Bon, on mange nos petits sandwichs. Alors papa, il a pris un sandwich. Con tomate, jamón, en queso. Un bocadillo de tomate, jamón. Pan con tomate, y jamón y queso. Vale. D'accord. Donc c'est pain, jambon, c'est jamón serrano. C'est le jambon serrano. Et fromage. Et moi j'ai pris la même chose mais avec de la dinde au lieu du jambon. Voilà. Et Papa Loïs il a des chips avec une pointe de sel. Et moi j'ai des chips au vinaigre. Bon appétit mon amour. Ouais. Face à la mer. Le sandwich face à la mer. Et nous voilà de retour sur la plage. Ouais. Bébé il fait la sieste avec sa grand-mère. C'est moi qui l'ai endormi. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui je me sens pas très bien. J'ai fait une petite crise d'angoisse ce midi. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est toute la pression qui retombe. Parce que quand je suis ici, j'adore être ici quoi. C'est à regarder Papa Loïs, il va dans l'eau. Il va se mouiller. Regardez-le. Qu'il se mouille. Je vais vous le faire tous les jours ça. L'homme moderne. Le parisien. Qui regarde la mer.
qui jauge l'élément. Il se demande comment il va faire pour aller se mouiller. Et il vient de voir qu'il était repéré. L'animal traqué. On te regarde. Eliora, elle a réussi à traîner son père dans l'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. S'il reste toujours au bord. Regardez comme ils sont mignons. C'est la fin de la journée, elle s'est réveillée il y a une demi-heure de la sieste. Elle est trop chouquette. Attention. Il y a des petites vagues, il y a des vagues. Elle a failli tomber tout à l'heure. Enfin, elle est tombée même, mais au bord. Ah bah oui, avec son père, elle y va. Qu'est-ce que tu fais à ta pauvre fille, Papa Loïs? Qu'est-ce que tu lui fais? Mais attends, vous allez vous prendre les vagues par derrière. Elle va se retourner. Tu vas même pas comprendre. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Hein, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à chasser le sable? À château de sable? Attention, il y a une vague. Attention, il y a une vague. Loïs, ramène-la, s'il te plaît. Prends-la. Il y a une autre vague. Loïs, les vagues. Oh, qu'est-ce qu'il lui fait pas, la peau? Attends, je vais le ramener, Non, mais, Loïs. Prends les trucs. Mais, je peux pas. Prends la petite peau. Il fait n'importe quoi, papa. Avant qu'il s'en aille, vite. Viens là chérie, viens. Viens. Papa Loïc il fait n'importe quoi, c'est la catastrophe. Cette mer comme elle est belle. Quand je dis la mer, je parle de l'eau. Je dis pas la mer genre moi la mer. Non non, la mer, la plage. Voilà. Là hop, on descend pour dîner. Voilà, Eliora est prête. On prendra des douches ce soir ou demain matin parce qu'on a fait un apéro sur la plage avec les copains. Voilà voilà. Donc on descend tranquillou pour dîner au restaurant en bas. Oui, Un beso aquí, por favor. Papa Loïs, il essaye de lui apprendre l'espagnol, mais elle veut pas lui faire de bisous. Tu veux pas faire de bisous à papa? Un beso, con tu papa. Un beso. A tu papa. A tu papa. A mama. Tu veux me faire un bisou à moi? Un beso à tu mama. Si vous voulez savoir ce qu'on fait avec Papa Loïs le soir, qu'est-ce qu'on fait, chérie?
Bah moi je cherche des adversaires à ma taille. On joue aux cartes, regardez comment il fait ça bien. Mais malheureusement, j'ai pas. Il fait ça bien. C'est un métier madame. Oui mais c'est pas le tien. Ça aurait pu. Ça aurait ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui vient de se passer chérie? Toi, t'as gagné une partie sur 42. Amenez une médaille s'il vous plaît. Tu peux regarder, tu peux nous regarder s'il te plaît. Non, non, pas de problème. Je reçois des messages, des fois ça me fait trop rire. Là c'est un jeune homme, se prénommant Walid, qui me dit que si Papa Loïs est pas gentil, lui il est prêt à être gentil avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais je suis pas quelqu'un de gentil moi, mais bon. On change? Vas-y, envoie ton CV. Bon là maintenant on va se balader un petit peu. Avant d'aller se coucher, on va décompresser tranquillou parce que Papa Loïs il est gentil. Pas toujours, mais dans le fond il est toujours gentil. Ouais. On est rentré parce que Papa Loïs ça le grattait. Et du coup maman elle veut pas dormir non plus, donc on va jouer aux cartes avec mamie. Assise dans son lit. Assise dans son lit, c'est pas allongée, assise. Eh oui, tu t'étais même pas en train de dire ni rien, tu t'es emmerdé. Non, je discutais avec ton père. Ah, il parle. Regardez-moi ce petit bout qui fait dodo. Et ce grand bout qui fait pas dodo. Tu parles moi. T'es un petit peu grand. C'est pas gentil pour un petit bout. J'en peux plus de ce mec. Bon. Mais t'as un mec qui veut me remplacer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah non.